Bienvenue pour cette nouvelle vidéo encore sur un jeu MSX. Cette fois nous allons parler de F1 Spirit. Voilà, F1 Spirit, une cartouche de Konami avec la fameuse puce SCC qui vous permet d'avoir un son polyphonique 8 voix. Alors cette cartouche est sortie en 87. Ça vous propose de fabriquer votre propre voiture de course, de participer à des qualifications et de rouler sur différents circuits. À savoir, vous pouvez piloter de la F1, du stock car et du rallye. Alors, il y a un début, il y a une fin, ce jeu. Je ne l'ai jamais fini par manque de temps. Et voilà, parce que le niveau des sauvegardes, c'est limité. C'est des codes qu'on vous donne. Donc, on a souvent joué à deux avec mon oncle. Et donc voilà, donc cartouche SCC, F1 Spirit de Konami. On va voir ça tout de suite. Il y a différents réglages à faire pour équilibrer votre voiture. Donc la carrosserie, les amortisseurs, les pneus. Alors à savoir aussi qu'il y a une gestion des dégâts. Plus vous faites d'accidents, plus votre voiture roule mal et il faut passer au stand pour ravitailler et compagnie. Donc c'est vraiment bien fait, c'est super prenant. Une version plus ou moins 3D est sortie par la suite sur MSX2. Qui s'appelait A3 Spirit, un truc comme ça, AD Spirit, qui joue aussi avec un volant, qui est, voilà. Donc nous on va jouer sur cette version qui est compatible avec tous les MSX, et bah, c'est parti pour F1 Spirit, The Way to Formula 1, cartouche SCC de Konami. Bienvenue sur MSX pour ce jeu de Konami F1 Spirit. Alors comme vous pouvez déjà entendre le son, c'est du SCC polyphonique qui voit. À l'époque c'était une vraie révolution. Alors ce jeu vous permet de construire votre propre voiture par courir des courses. De courir des courses. Alors on va tout de suite commencer. C'est parti. Ça peut jouer au clavier, à la manette. Voilà, donc nous on va faire game. Un joueur. Ensuite vous choisissez votre site de course. Stock car, rallye ou Formula 3. Ensuite vous débloquez d'autres programmes. Donc nous on va prendre le stock race. Soit vous prenez un modèle déjà fait, soit vous pouvez construire votre propre voiture. Ça. Alors, on va choisir le moteur intermédiaire. Et freinage intermédiaire, suspension. Vous prenez une suspension dure, moins votre voiture a tendance à partir en vrille. En intermédiaire aussi, et boîte. Oh. Allez, on va dire boîte automatique pour faire. C'est parti. Vous avez une touche pour le freinage, une touche pour l'accélération. Faut faire attention, vous voyez votre voiture est dessinée en bas à droite et en fait vous pouvez avoir des en ayant des accidents, ça détériore votre voiture, qui vous oblige par la suite là pour repasser le temps. Savoir aussi que vous avez votre essence à gérer. Donc lorsque vous prenez par exemple un moteur avec boîte automatique, une boîte manuelle, après vous pouvez gérer au passage d'une boîte. Vous allez vous faire faire un petit peu de temps pour donner le stop. Stop, stop. Vous avez des arrêts au centre possible. On va essayer de gérer l'essence afin de finir avec le centre. On va prendre le centre. On va prendre une boîte automatique. Alors en fait c'est une question d'entraînement. Hein. Moi ça fait très longtemps que je n'ai pas joué, donc je pas que je m'entraîne la chose. Et puis vous tous les jours, on va dire. Alors là pour vous arrêter au stand, c'est simple, vous vous mettez sur la gauche, et vous traînez. Et vous pouvez arrêter, vous avez une séquence qui montre les métallos rajoutés à la voiture, dans les réparations qu'on fait. La force de la puce, c'est vraiment entendre.
Alors, la puce est apparue avec MSX2, Radius 2, MSX2. C'est développé sur différentes cartouches d'économie. On vendra un peu surtout à l'achat, mais là, il y a des jeux. Le plus dur à ma connaissance pour moi étant le stock car, le rallye. Le rallye faut vraiment prendre faut vraiment de l'entraînement. Perso, je préfère jouer au clavier. Voilà, ils ont une bonne manette Sony. À l'époque Sony faisait des manettes qui étaient vraiment top, qui tenaient dans le bon à main. C'est celle-ci que j'avais, mais c'est très difficilement de tenir pour mieux. Donc deux boutons. Je conseille fortement d'investir dans une manette spécifique. Sinon, tu peux jouer au clavier très facilement. Mais c'est un petit coup à prendre. Hein. Droite gauche, par deux passes sur accélération, L pour le frein, L c'est souvent la deuxième touche à l'intérieur, L, L, étant de vie c'est le rallye, c'est la voiture vous êtes partout, vous avez de la terre qui est assez la terre qui fait glisser votre voiture, le canon qui va faire rebondir, c'est un résultat contrôlable. Il faut vraiment trouver son style de conduite et ben voilà, c'était F1 Spirit sur MSX. À bientôt pour de super jeux.